Salut à tous, j'espère que vous allez bien. IP, ah, c'est quoi ça, IP? Alors, l'indice de protection. On en parle souvent lors des tests de smartphones, tablettes, appareils électriques. Beaucoup me disent c'est quoi l'IP précisément. Ben aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi l'IP, cet indice de protection. Je vais lire, hein, je ne vous le cache pas, je ne vais pas me casser la tête. Mais en tout cas, vous allez comprendre un peu mieux ce qu'est l'IP. Lorsque je teste un smartphone, je vous donne souvent l'indice IP ou indice de protection. On répète deux fois l'indice. Certains me disent, ouais, il est même pas IP68. Ouais, t'as vu, il est pas IP68. C'est des imitations que je fais parce que je les ai jamais vues en vrai, mais j'imagine dans leur cerveau, ça doit être ça. Et donc, du coup, quand tu leur demandes c'est quoi IP68, bah, tu sais pas. Ben non, mais explique-moi pour voir. Ben, ils savent pas. Simplement, pour eux, IP68, c'est qu'il peut être immergé dans l'eau. Point. Donc, au final, ils parlent IP68 parce qu'ils ont entendu IP68 dans une grosse chaîne ou sur un site internet. On leur a dit que c'était ce qu'il y avait de mieux. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant que si on est IP54 ou 57, c'est plus mauvais. Donc, voilà. Un bête exemple, lors de la dernière émission qu'il y avait eu avec Audrey, elle a un Motorola Edge 20, donc qui date quand même. Il est IP54 ou 57, je ne sais plus exactement. Et elle a dit, il est tombé plusieurs fois dans le seau d'eau quand elle travaille. Et elle l'a ressorti et il fonctionne toujours. Donc ça veut dire qu'elle a eu le réflexe de le sortir. Il était dans son laps de temps immergé. Et donc du coup, aucun problème. Donc c'est bien la preuve qu'il ne faut pas être obligatoirement IP68. Le 68 va augmenter la durée. On va tout d'abord voir c'est quoi l'IP, hein. Ensuite, on va voir les différences avec les deux chiffres, parce que un chiffre, ben, c'est pour la poussière, les solides, et l'autre, c'est pour les liquides. Alors, qu'est-ce que l'indice de protection IP? C'est un standard international mis en place par la Commission électrotechnique internationale. Il se compose de deux chiffres et renseigne l'utilisateur sur le niveau d'étanchéité de son appareil, qu'il s'agisse d'un smartphone, d'un téléphone sans fil ou encore d'un talkie-walkie. Voilà. Alors, le premier chiffre vous indique le degré de protection de l'appareil vis-à-vis des solides, poussière, sable, gravier, sel. Il va de X, donc aucune protection, à 6 au maximum. Étanchéité totale à la poussière, même fine. Voilà, donc ça, c'est le premier chiffre. Donc vous avez par exemple IP50, le premier chiffre, et puis vous avez un second chiffre. Ce second chiffre, le deuxième, c'est les liquides. Le second chiffre vous renseigne cette fois-ci sur l'étanchéité de l'appareil face aux liquides, tels que l'eau ou l'huile, protection contre la pluie, les jets d'eau ou encore l'immersion. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous l'afficher, hein, comme ça vous pouvez lire en même temps. Je vous mettrai aussi dans le descriptif un site internet avec lequel vous pouvez voir et qui vous explique aussi l'indice de protection IP et vous allez pouvoir jouer avec les chiffres. C'est toujours intéressant de le savoir. Moi, je trouve ça assez sympa. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon petit tableau. Je me suis fait un petit tableau, un récapitulatif. Toujours ça de prix. Et comme ça, on va faire ensemble la première colonne, donc c'est-à-dire les solides. On va voir de 0 jusqu'à 6 ce que ça apporte. Donc c'est la description abrégée et il y a une définition. Alors, lorsqu'on dit IP0, donc là c'est non protégé. Il n'y a rien à dire, pas de protection particulière. Si on prend IP1, donc ça veut dire que c'est le premier chiffre à chaque fois, la première colonne. On ne parle pas encore des liquides. Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm. Donc, une grande surface de corps humain, par exemple, la main, mais pas de protection contre la pénétration délibérée, corps solide de plus de 50 mm. Donc, ça veut dire que c'est protégé, ben, ce n'est pas protégé si vous décidez de l'ouvrir. Voilà, simplement. Ensuite, donc le deuxième chiffre, le 2, protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm.
les doigts ou objets analogues ne dépassant pas les 80 mm de longueur, corps solide de plus de 12 mm. Donc voilà, encore une fois, si vous introduisez votre doigt à l'intérieur, etc. Bon, en général, si vous faites ça sur votre smartphone, il est mort. Je préfère vous le dire, sauf si vous êtes un réparateur. Mais voilà, au moins, ça, vous avez déjà une bonne petite idée. On continue. Le chiffre 3, protéger contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm. Là, ça commence à devenir intéressant. Donc, c'est un outil, fil, de diamètre ou d'épaisseur supérieur à 2,5 mm, corps solide de plus de 2,5 mm. Ça veut dire que, par exemple, vous allez mettre un petit fil électrique ou quelque chose de fin qui va rentrer dans les haut-parleurs ou dans le port USB type C, etc. Ça veut dire qu'il y a un risque d'abîmer et donc du coup, ça, jusque-là, ça protège jusqu'à cette 2,5 mm. Si vous allez au-delà de ça, ben, ça ne rentre pas, bien évidemment, souvent dans les haut-parleurs, mais au moins ça protège jusque-là. Bon, jusque-là, on n'a pas de smartphone qui est en indice 3. En général, ça commence à 5. Bon, le 4. Protéger contre les corps solides supérieurs à 1 mm. Donc, fil ou bande d'épaisseur supérieure à 1 mm, corps solide, etc., etc. Donc là, encore une fois, on est de plus en plus fin et on va essayer de rentrer les choses dans les orifices ou dans le smartphone, etc. Bon, pourquoi on met supérieur à 1 mm? Parce que de plus en plus, lorsqu'on rentre dans l'indice 4, 5 ou 6, vous aurez remarqué qu'au niveau de vos haut-parleurs, certains n'ont que les trous pour le haut-parleur, mais d'autres mettent une petite grille en plus, vraiment pour qu'on ne puisse rien rentrer. C'est important de le signaler. Alors, maintenant, on va passer à l'indice 5. Protéger contre la poussière. La pénétration de la poussière n'est pas totalement empêchée, mais la poussière ne peut pas entrer en quantité suffisante pour nuire au bon fonctionnement du matériel. C'est un petit peu comme quand vous avez votre smartphone que vous regardez et tu dis « Tiens, j'ai de la poussière au niveau du haut-parleur. » Bien là, voilà, c'est protégé contre ça, mais ça ne va pas empêcher le faire fonctionner. Ce que je vous conseille souvent, c'est de prendre une bombe d'air sous pression et vous allez souffler un petit peu au niveau des haut-parleurs. Bien généralement, ça va vous nettoyer le truc et ça n'abîme rien parce que c'est conçu pour tout ce qui est électronique, etc. On va passer au dernier indice, donc de la première colonne, tout ce qui est corps solide, le 6. Totalement protégé contre la poussière. Donc, ça veut dire pas de pénétration de poussière. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez dans l'IP6, il n'y a aucune pénétration de poussière. Ça veut dire que même au niveau des haut-parleurs, ils ont mis une grille de telle manière à ce que ça ne rentre pas dans le téléphone. Et donc, du coup, ben, vous allez avoir sur le bord. Là, en général, avec son doigt, on arrive à l'enlever. Certains vont faire ça avec un cure-dent parce que c'est juste devant la petite grille, parce que le grillage est tellement fin que même la poussière ne rentre pas. Et pourtant, on a toujours ce son qui sort. Voilà, ça, c'est à titre d'exemple. Bon, on va partir maintenant sur la seconde colonne. Bon, désolé si pour certains, la vidéo ne les intéresse pas. Je sais que vous préférez voir des tests, etc. Mais j'avais envie de faire cette vidéo pour vous expliquer. Donc voilà, c'est une petite vidéo qui est différente par rapport à d'habitude, mais il est important de le signaler. Zéro, bah non protégé, hein, forcément vous le mettez dans la flotte, il est grillé. Alors, l'indice 1, protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau. Ça veut dire que comme ça, si ça tombe, bah, il est déjà protégé. Ça veut dire que sur le dessus, il n'y a rien qui puisse rentrer dans le téléphone. Ok, donc les gouttes d'eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effet nuisible. On va tout de suite passer au 2. Protéger contre les chutes d'eau pour une inclinaison maximale de 15 degrés. Alors 15 degrés, c'est pas beaucoup, hein. Je veux dire, c'est ça à tout casser. Je pense même que je suis déjà à 25. Mais en tout cas, voilà, donc ça protège. Donc les chutes verticales de gouttes d'eau ne doivent pas avoir d'effet nuisible quant à l'enveloppe inclinée. Quand l'enveloppe est inclinée jusqu'à 15 degrés. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes comme ça, normalement, c'est considéré comme du 15 degrés. Et donc, s'il pleut sur votre téléphone, il ne doit pas y avoir de conséquences sur votre smartphone. On continue. L'indice 3. Protéger contre l'eau en pluie. Donc là, il y a bien une spécification pluie. Pourquoi? Parce que juste avant, le 2, etc., ce sont les chutes d'eau. Ça peut être quelques gouttes
qu'on vous envoie ou des choses comme ça, mais ce n'est pas spécifiquement la pluie. La pluie, c'est vraiment quand ça tombe bien. Alors, de l'eau tombant en pluie dans une direction faisant avec la verticale un angle inférieur ou égal à 60 degrés. Donc là, ça veut dire que vous êtes dehors, vous avez une grosse pluie, vous la prenez sur la tronche, hein, vous commencez à être bien mouillé, eh bien, il n'y a pas d'incident sur votre téléphone. Et pourtant, on est seulement à l'indice 3. Donc, quand certains me disent « Ouais, tu peux même pas téléphoner sous la pluie », c'est totalement stupide. Parce que déjà, avec un indice 3, donc c'est-à-dire, si on prend le 53 ou le 63, c'est totalement protégé contre la pluie. Prenez bien que la première colonne, c'est la poussière. Il faut du 5 ou du 6 pour la poussière. Ce qui est important pour le liquide, c'est la deuxième colonne. Et donc là, avec un 3, on est déjà bon. Pour la pluie, en tout cas. Ensuite, le 4. Protéger contre les projections d'eau. De l'eau projetée de toutes les directions sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effet nuisible. Donc, ça veut dire que si vous prenez de l'eau comme ça, comme ça, comme ça, n'importe quoi, donc vous êtes en train de téléphoner et quelqu'un vous balance de l'eau au Super Soaker, hein, vous savez, les pistolets à eau avec des longs jets, ben là, vous avez une protection. Pourquoi ? Parce que vous prenez une projection d'eau et il n'y a pas de problème. Là, nous sommes 4. Ça veut dire que quand Audrey a fait tomber son téléphone une ou deux secondes dans le seau d'eau et qu'elle l'a relevé, il était en 54. Eh bien, ça, c'est par exemple une grosse projection. Il a été considéré comme une grosse projection d'eau parce qu'elle l'a enlevé tout de suite. Voilà. Ensuite, l'indice de protection 5 pour les liquides, la deuxième colonne. Ça veut dire que protéger contre les jets d'eau. De l'eau projetée à l'aide d'une lance ou de toutes les directions sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effet nuisible. Ça veut dire que même s'il se prend un coup de Karcher, il n'y a aucun problème. Ok ? On continue. 6. Protéger contre les paquets de mer. Alors là, par grosse mer ou sous l'effet de jets puissants, l'eau ne doit pas pénétrer dans l'enveloppe en quantité nuisible. Et là, on est sur le 6. Rarement, j'ai vu du 56 ou du 66. Je ne vais pas vous mentir, c'est rarement. Donc là, c'est vraiment, un gros jet style vague ou quelque chose comme ça. Normalement, il n'y a pas de problème. 7. Protéger contre les effets de l'immersion. Donc, à partir de 7, 57, donc ça veut dire que si vous avez un IP57, c'est protégé contre les effets de l'immersion. 57. 55 pour la poussière, ça veut dire que protégé déjà contre la poussière. Il peut y avoir de la poussière qui rentre, mais pas de problème. Et 57, il est déjà protégé contre l'immersion. Donc, la pénétration d'eau en quantité nuisible à l'intérieur de l'enveloppe immergée dans l'eau sous une pression et pendant une durée déterminée ne doit pas être possible. Donc déjà avec un 7, vous êtes déjà protégé contre l'immersion. C'est pour ça que lorsque je reprends le fameux téléphone qui est là et qui était IP69K, eh bien là, normalement, il n'y aurait pas dû y avoir de problème à l'immersion alors qu'on était bien au-dessus du 7. Et le 8 maintenant. Donc, protéger contre l'immersion prolongée. Le matériel convient pour l'immersion prolongée dans l'eau, dans des conditions spécifiées par le constructeur. Note, cela signifie normalement que le matériel rigoureusement étanche, mais pour certains types de matériel, cela peut signifier que de l'eau peut pénétrer pourvu qu'il n'en résulte pas d'effet nuisible. Ça veut dire que votre fameux IP68 peut être immergé prolongément. Ok, je ne sais même pas si ça se dit, tiens, faudrait que je regarde. On peut dire qu'il peut y avoir une immersion prolongée, je vais le dire comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de problème. Pourquoi ? Parce que c'est le constructeur qui détermine le temps d'immersion. Ça veut dire qu'on peut dire qu'il est IP68, mais il peut être immergé pendant 10 minutes. Et un autre constructeur peut vous dire, il est IP68, mais il peut être immergé pendant une heure à X distance. Parce qu'il y a aussi la pression qui compte. Donc, quand on parle d'IP68, oui, c'est le must, mais il y a des conditions qui changent selon les constructeurs.
Donc, je vais vous mettre le tableau s'est affiché. Je vais vous mettre, comme j'ai dit, dans le lien, un site internet belge. C'est bien en plus. Et là, vous pouvez choisir l'indice IP pour les poussières, le premier chiffre, et l'indice IP pour les liquides, le second chiffre. Comme ça, ça vous donne aussi une petite idée. Mais c'est pour aussi vous signaler quoi ? Ben, ça veut dire que IP68, oui, c'est bien. Mais ça veut dire que ça se détermine en fonction de chaque constructeur. C'est pas parce que Apple va dire vous pouvez le plonger dans l'eau pendant à 10 mètres de profondeur pendant une heure, que Samsung va dire la même chose ou que Motorola va dire la même chose. Oui, parce que en fait là j'ai un Motorola, là j'ai un Samsung, donc voilà. Et ici j'ai même un Huawei, ok. Donc voilà, ça ne veut pas dire que l'IP68 veut dire la même chose d'un constructeur à l'autre. Il faut bien se renseigner. Ça, parfois, vous allez avoir un IP57 qui protège tout aussi bien qu'un IP68. Alors, certains vont me dire « Ouais, non, c'est pas vrai, machin. » Ben si, parce que ça dépend le temps que vous allez le laisser immerger. S'il tombe dans l'eau, que vous le ressortez tout de suite, il risque de ne pas y avoir d'incident. Si l'IP57 est bon, que le constructeur a bien fait les choses, simplement. Donc voilà, je voulais vous expliquer ça. Alors, pour ce qui est de l'IP69K, là, on est sur un tout autre sujet parce qu'on là, on est vraiment sur l'indice de protection où normalement, on frôle, ça résiste à la chaleur, etc., etc. Ça résiste aux pressions. L'IP69K, le smartphone, par exemple, est mis sur un plateau tournant et il subit des pressions en plus. Normalement, il est censé résister à la pression. Par exemple, plus il tombe profondément, plus vous le savez, plus on descend dans l'eau, plus la pression est dense. Eh bien, normalement, l'IP69K, c'est ça. J'ai pas l'impression que celui-là était IP69K, je vous le dis honnêtement, parce que bon, la pression dans un shaker, quand je l'ai immergé dans l'eau, bof. Donc voilà, je vous ai expliqué ces deux tableaux. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester focus non-stop sur IP68. C'est vrai que c'est le must, mais ça diffère d'un constructeur à l'autre. Il n'y a pas de norme qui dit que IP68 doit être immergé genre à 15 mètres de profondeur pendant 1h30, 5h, 6h. C'est le constructeur qui détermine cela. Ça veut dire que des fois, si vous vous basez sur un IP, on va dire 67, c'est tout aussi bien parce que en général, on a ce réflexe, il tombe dans l'eau directement, on est en panique, on va le chercher. Et c'est là qu'on se dit que IP67 pourrait convenir tout aussi bien. Ou IP57 parce que ça protège tout aussi bien de la poussière, le 68 restant le must à condition que le constructeur fasse bien son travail. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, elle était un peu différente mais elle était explicative. Salut.